Attends, j'ai pas l'autre genre avant. T'es pas du coin, toi, qu'est-ce que tu veux? Attends, y'a un mec. Y'a rien ici. Je peux lui sauter dessus? Ah non, c'est pour. Hop et coucou. Hein. Je veux de la bière. Le chien veut de la bière, wesh. Voilà, si je peux faire marcher ce truc là. Sur le carton du bar, j'ai pas fait gaffe. Alors, j'ai failli l'avoir. Quoi, le bruit du modem, j'ai mangé du. Oula! Alors, allô, quelqu'un m'entend? Allô, oui, on t'entend, on vient de Toddy. On cherche une sortie et... Attends, c'est toi, ce Balthazar? Momo? Attention, je vais faire les bruits. Psss. C'est incroyable, je suis trop content d'entendre la voix de... le son de ta voix, ce Balthazar. Où es-tu? Les autres vont bien? Alors, oui. Psss. On va bien. Psss. On a trouvé comment monter. Hein. Allô, m'entends-tu toujours? Il faut passer par les égouts pour nous retrouver. Très dangereux, il y a des orques partout. Les égouts, comment ça? Allô? Bon sang, on a perdu le signal. J'y crois pas. Ce Balthazar est en vie avec les autres extérioristes. Ils ont réussi à monter par les égouts. Les égouts sont l'endroit le plus dangereux des taudis. Mais si ce Balthazar l'a fait, il doit y avoir un moyen. Heureusement que tu lis la cam devant le texte. Ah merde! Ah merde, oui! Je prends trop de place, hein. Vous ne passerez jamais par les égouts, c'est infesté de zerk, ils ne feraient qu'une bouchée de vous, et surtout de toi mon petit. Hein. Beaucoup ont déjà tenté leur chance, ça finit toujours mal. Trop imponente madame Barry, je sais. C'est parce que je me kiffe beaucoup trop ça. Du coup je me mets en grand. Alors, enfin je vous aurais prévenu, et puis c'est pas mes oignons. Du coup il y a quoi écrit sur le carton, faut que j'aille voir. Made in France. Alors Simus, son père Doc, était un grand scientifique qui travaillait sur une nouvelle arme pour combattre les orques. Bah tiens. Ouais, comme hier, ouais. Depuis, Simus n'a plus jamais été le même. Clin d'œil des devs. Hein. N'écoute pas Simus, il a aussi peur que moi, c'est tout. Si Doc a fabriqué une arme, c'est notre moyen de joindre les extérioristes. De joindre, ouais. Dans son carnet, Doc évoque un labo secret à plusieurs reprises. Ah mais par contre, tu vois, si c'est devant la cam, je peux faire ça. Je pensais pas, j'ai pas fait... C'est sans doute l'endroit où il l'a conçu. Il y a peut-être un indice dans l'appartement de Simus. Allez, suis-moi. Oh, pardon. Aïe, aïe. Attends, je vais jamais parler, lui. Non, mais elle a vraiment fait des ponchos pour tout le monde, hein, la petite dame. Tu as pas tout vu ici. Hein. Bah ouais, j'ai pas tout vu. Du coup, faut pas que je le suive. Hein. Le live se termine à quelle heure? À peu près à 22h45 en général. Hein. Jamais. Never. Par contre, en vrai, je suis pas allée là-dedans. J'espère qu'il va m'attendre. Après, la maison de Doc, je savais plus ou moins laquelle c'était, mais... Bah attends, c'est une laverie ici. Y a pas genre la lessive que je cherche? Je peux jouer avec les petites balles, là? Non. Ça sent le cramé, les gars. Sans déconner, ça sent le barbecue. J'habite en centre-ville. Hein. Je sais que c'est pas chez moi. Hein. Je vois bien que ça vient de la fenêtre, mais... Ah, c'était par déduction un peu la lessive, mais...
J'ai pas fait lui. Ah non, ça gère toutes sortes de partisans. On va jouer à la guitare. Ouais, ok, bon ça. Maca, gros cerveau. Eh oh, arrêtez de vous moquer. C'est pas gentil. Tu sais que ton père aurait voulu que tu nous aides. Allez, Simus. Fais pas le con. Il fallait s'y attendre, ce n'est pas facile pour Simus. Il ne veut plus entendre parler des extérioristes. Il ne m'aidera pas, mais toi, je crois que c'est déjà une idée. Mais un réveil à 22h40 pour écouter la musique. Mais je l'écouterai pas en live. Terton, j'écouterai après. Une chose d'information qu'il contient, espérons que ça provoque un électrochoc. Tout le labo secret, petit extérieur, je retourne au bar pour tenter de rétablir le contact avec les autres. Hop là! Tu as fait au pif dès le début de faire tomber la peinture en miaulant sur les toits, mais sans la boutique. Mais sans ça, la boutique était fermée, c'était le seul moyen de récupérer aussi. Ah, ok! Bah, je me suis dit que s'il le proposait, c'est qu'il fallait le faire. Hein. Donc. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai déjà dit, passer par les égouts est une mission suicide. Laissez-moi tranquille. Hein. Ah, bah, du coup, ça veut dire que je suis obligée de me barrer? Ah, si, bah non, mais non, faut que je lui monte le cahier. Hop là. Qu'est-ce que c'est? Attends, c'est celui de mon père. Ouais, j'en savais rien. Il y a une pièce secrète dans notre appart, mais où ça? Bah là déjà l'arbre il a pris un coup. Bah attends, on va chercher partout. Ah bah dans ce cas là tu peux le mettre sur... Ah le code je l'ai pas par contre. Le code tu peux le... comment ça s'appelle? Tu peux mettre sur le Discord si tu veux, Entertone, sinon dans Média ou dans Musique. Je suis en train d'encore tout défoncer. Ah ah! Le temps et la clé. Le temps, est-ce qu'il y a une horloge? Ok. Le temps et la clé, 2, 5, 1, 1, 25, 11. Ah, t'as pas. Ah, bah dans ce cas-là, en MP. J'écouterai après, du coup. Traduire. Qu'avons-nous? Alors, info robot news. Zerk officiellement hors de contrôle, ils se mettent à manger le métal. Aha! Je n'avais jamais vu cette pièce, je trouve incroyable qu'il soit parvenu à me la dissimuler tout ce temps. Ses plans, c'est sans doute pour son arme contre les Zerk. Papa ne révélait jamais rien de ses travaux. Il m'a dit que l'arme fonctionnait en théorie, mais qu'il avait besoin d'un test dans la vraie vie. Il est sorti des taudis pour ne jamais revenir. Qu'avons-nous ici hein? Il est parti acheter des clopes, ouais. Il y a quoi là-dedans? Ah, il y a rien, c'est juste pour le faire tomber. Ah, attends. Alors, plan de défluxor. Concept pistolet à base de lumière. Hop là. À base de lumière, priorité faible. Apparence visuelle, taille débit, cible ennemie, priorité élevée, tout est testé en conditions réelles, objectif 20 zerg détruits par seconde. Ah quand même. Alors tu trouves des trucs intéressants. Je peux rien lui donner. Non, je sais, alors, du coup j'ai rien trouvé. Alors, joli bruit mais jamais gentil, vieille bactérie des temps humains, mange toutes sortes de matériaux. De matière totalement nyctalope, sensible à la lumière vive. Ok. On
pensais, c'est des vrais qu'il a gardés? Qu'est-ce qu'il a? Il est où d'ailleurs? Je le vois pas. Y a rien par là. Sur la table, ah, ça j'ai déjà traduit. Fait longtemps que j'ai pas cassé un truc. Je peux même pas casser une tasse. Ça on l'a déjà lu. Griffelu des fesses. Parler à Simus. Bah mais j'ai rien trouvé. J'essaye ça. Donc attends, j'ai pas tout trouvé. Hein. Je pense pas qu'il y ait quelque chose dans la maison. Ça j'ai fait. Ici je peux pas grimper. Ici j'ai chopé tout ce qu'il y a à choper. Là, il n'y a rien. Non, ça, c'est les documents qu'il y a là, donc il n'y a rien. Donc, ça se passe vraiment là-dedans. Ça, j'ai regardé. J'ai pas été là. Attends quoi? D'ailleurs, il existe un compte Twitch Makatian TV, je t'aime. Pardon. Mais what? Mais what? C'est un compte qui a été créé un quand? Sans déconner. Sans déconner. Mais what? Mais OMG, il y a quoi? Pardon, mais ça n'a rien à voir avec moi. Il y a. Mais ça dans Média, ouais, de ouf, putain. J'espère qu'il n'y a pas une photo de moi ou un truc comme ça, enfin que c'est pas en rapport avec moi. Ça me dit rien. Dans Média? Putain, c'est chaud. Aïe aïe aïe. Pas d'avatar, ça ira à coup sûr un compte secondaire fan, j'en suis sûre. Non, je pense pas qu'il irait jusque là. Alors, merde. Alors, attends, je me souviens de ça, c'est son traceur. Papa se servait sans cesse de ce traceur pour me surveiller. On pourrait peut-être l'inverser pour savoir où il est allé. Je n'arrive pas à croire que papa soit encore en vie. Il me manque tellement. Il te faut une arme contre les orques. Pas vrai, mon père en a pris une avec lui, c'est certain. On doit juste réparer le traceur pour le retrouver. On trouvera bien quelqu'un pour nous aider dans les taudis. Viens avec moi, je vais t'ouvrir la porte. Mais... Merci Farfa d'avoir sub Makatian TV, je t'aime. Merci pour lui ou pour elle. Je pense qu'il en sera très heureux. Merci beaucoup pour ton sub gift. Alors, Tidus, tu dois faire réparer ce traceur ingénieux comme tu l'es, tu trouveras quelqu'un pour t'aider dans les taudis. Bah, je pense. Le geek là. Il faut qu'on fasse réparer ça, mettons au jour des taudis, ils nous m'aideront peut-être dans la bonne direction. Ça, j'ai déjà fait. Cosma, du coup, je pense que j'ai fait. Oh, regardez, j'ai plein de petites pattes! Des petites patounes, des petites patounes, j'en fous partout, la la la. J'en fous partout, nanani. Mais ça s'efface. Ah non, ça s'efface. Non, en vrai, ça s'efface pas. Est-ce que ça s'efface?
Petite bateau, nanani, nanana. En fait, il est saoulé, je vois sa tête. Mais merde, me donnez jamais ce genre d'infos, bande de cons. Je reviens, je vois ça. Le Macatian TV, je t'aime. Quelqu'un peut assassiner ce chat? Bon, c'est bon, j'arrête. Vous êtes pas drôle, hein. Regarde, je suis trop pipou, hein. Miaou. Mais c'est pas... Mais on sait bien que c'est pas toi, Hera. Regarde tout ce qui tombe dans notre poubelle, tous ces trésors. Tu devrais rendre visite au trocker, il y en a pour tout le monde chez lui. Bah ouais, mais... J'ai pas assez pour lui. J'avais pas vu ça. Pourquoi tu possèdes un jetpack? Mais avoue que pour le LOL t'aurais pu RR. C'est pas RR car en réalité c'est moi. C'est où le chuchotement? Je sais plus. Tu vas en haut, tu dois avoir un truc avec. C'est sur PC, si tu vas. Tu dois avoir un truc avec. Un truc pour parler, tu tapes mon pseudo et tu parles. C'est comme les MP, comme dans tout en fait, dans tout, n'importe quel site. Voilà. Je sais pas comment te dire mieux. Elliot, on va aller voir Elliot. Je sais pas ce qu'il fait lui. T'as l'air perdu, t'as besoin de quoi? Bah tiens. C'est pas ça, c'est que j'ai la flemme de me faire un autre compte. Bah, je comprends bien. Mais on sait bien que... Que t'es assez fan pour le faire, c'est juste que t'as la flemme. Ah bah sur tel, je j'utilise jamais l'application téléphone, je sais pas comment te dire. C'est avec ça qu'il fait les lessives. Hein. Attendez, je vais aller voir mamie... Mamie qui fait de la lessive. Mamie qui fait des ponchos. Farfa, tu veux une joke de papa? T'es sûr de toi hein? Ok, j'ai des fils électriques les gars. Je sais pas vraiment en quoi ça va aider à faire des ponchos. Bah ça fait longtemps parce qu'elles sont vraiment mauvaises hein. Faut qu'on se les dise Farfa. Alors mamie tricot. On va aller voir mamie tricot. Mais avant on va faire une petite Ah oh, putain j'ai trop mal au bras. Même mon bras ne veut pas prendre la blague. C'est l'engrenage. Je pense que Terton, tu nous trolls parce qu'au bout d'un moment, on te dit plusieurs fois un truc de messagerie, enfin dans n'importe quel truc. Le comment s'appelle? L'écrou, l'engrenage, c'est pour les options, c'est pas pour les messages. Aïe aïe aïe, attendez, j'ai fait tomber. Ah! Ma pelote. C'est le fil conducteur du live. Alors. Oh putain, non mais vraiment, elle est vraiment dedans, les gars. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Qu'est-ce qui est vert et qui se déplace sous l'eau? Un chou marin. Voilà. J'espère que t'es content, Farfa. Parce que là, on était vraiment... Je peux... Non, non, t'inquiète, Farfa. J'ai déjà lu ça, là. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est mémé qui attend. Mais je les ai déjà lus, celles-là. Bah, niveau blague, on est sur les jokes de papa aussi, quand même. Oh, mais je comprends rien. Elles sont pas drôles, celles-là. Celles que je chope sont vraiment nazes.
Oh non, celle-là est sale. Pourquoi les femmes malaxent les testicules pendant la fellation? Bonsoir le Joker, tu arrives sur cette blague? C'est pour éviter les grumeaux. Voilà, allez, c'est tout pour moi. C'est la dernière. Que demande un chien dans une pharmacie? Du sirop pour ma toux. Et merci pour les follow. Et bonsoir Nasrine. Allez, on va parler à mémé, hein. Et on la pousse pas dans les orties, hein. Allez, un petit câble électrique, hein, pour se pendre. Et désolé, hein, pour ceux qui arrivent sur ça. Allez, je me mets au travail immédiatement. Il va me faire un ponchon, les gars. Y'a pas que les femmes. Attends, mais du coup, est-ce que je peux le mettre, hein? Ça va. Attends, les gars, est-ce que je peux mettre le poncho? Ça a l'air très chaud, parfait pour un robot frileux. Ah non, c'est pour quelqu'un d'autre, c'est une suite de quêtes. Je pensais que c'était moi. Moi, je pensais vraiment que j'allais mettre un poncho, les gars. Mais attendez, les gars, à quel moment un robot, ça peut être frileux? J'en ai une si sale que je peux pas l'écrire ici, mais je peux te chuchoter si tu aimes l'humour sombre et décalé. Envoie-la-moi en MP, je verrai ce que j'en fais. Ils ont peut-être des... Ouais, mais bon. Bon, alors, faut que je trouve quelqu'un... Bah non, mais si, faut que j'aille voir Elliot. Elliot qui est... Je sais plus où il est, Elliot. Et bonsoir les arrivants, bonsoir. Merde, c'était où? Je sais plus où il était, Elliot. Ah, c'est qui lui? Je l'ai jamais vu. Mais la lessive, je l'ai déjà utilisée. J'ai déjà utilisé la lessive. Oh, j'ai peur, Enimous. J'ai peur de la réponse. Ah, du coup, j'imagine que je vais en avoir d'autres après, mais là... Ah, il y a quelqu'un là-dedans. Arrête, allez, arrête de gigoter, je ne vais pas te faire mal. What the fuck? Y'a quoi là-dedans? T'inquiète, t'inquiète, Kabou. Y'a personne qui a froid là-dedans? Ils ont tous des ponchos. Bon, attends, le truc d'Eliott, je ne sais plus du tout où c'est. Je vais lire ça. Programmation Elliot, c'est le dernier. Du coup, c'est par là. Programmation Elliot. Mais attends, c'était pas genre ici. Ouais, c'était là. Ok. Y'avait rien à faire ici. Ok. Alors, Elliot. Tu m'as envoyé la réponse, Maca? Ah, je l'ai pas eu. Ah, elle est sale. Ah, je peux pas la dire. Non, non, je peux pas. Non. Non, Enimous, c'est non. Alors, c'est un super traceur, je connais ce modèle. C'est un Toima BR2000. Tu peux suivre n'importe qui avec ce petit gadget, tu permets? Je peux réparer ça.
Mais quand je tremble autant, je n'arrive pas à utiliser mon clavier. J'ignore si je suis malade, mais je ne me sens pas bien, c'est sûr. Je n'arrive pas à travailler quand je tremble autant. Si tu veux que je répare ce traceur, il me faut une couverture. Eh, j'ai eu le pif quand même. Hein. Mais je suis capable. Oui, ok. Eh, regardons. Putain, mais les gars, mais je... Qu'est-ce que je suis trop bonne. Oh, t'as trouvé ça. Tu as trouvé ça où? C'est génial. Laisse-moi l'essayer. Eh ben, nice. Enfin, moi, je suis un peu triste parce que je pensais qu'il était pour moi, le poncho. Mais bon. Regarde, plus de rendement, je peux travailler à nouveau. Merci, maintenant, je vais vraiment pouvoir réparer ton traceur. Nice. Hop. Laisse-moi regarder, il suffit d'une mise à jour. Et puis ça, et voilà. Traceur réparé. Tiens, mon petit, bonne chance pour trouver ce que tu cherches. Et c'est fini. T'es bonne, Maca. Enfin, en jeu vidéo, bien sûr. Bon, arrête, tu peux le dire. Hein. Tu peux le dire en général. Hein, je comprendrai. Hein. Et humble, surtout. Faut pas l'oublier. Du coup, j'imagine qu'il faut que je retourne voir l'autre, qui doit être juste... Allez, miaou. Allez, saute, petit bolide. D'ailleurs, il est où le mien de chat? Je peux... Ok, je voulais grimper au-dessus, mais c'est pas grave. Plus humble tumeur. Bah, écoute, hein. Pff, j'ai failli en foutre partout, mais j'en ai pas foutu partout. Mais il va tricoter ce poncho, mais... Ah, c'est pas lui, hein. Bah, si, attends. Il faut que je lui donne à chaque fois je parle. Voilà. Le gameplay est fluide. Le gameplay du jeu est fluide. Bah moi je trouve, écoute, hein. Un quaterton, je comprends pas. Oui, t'as pris un coca bien frais. Et. Hop. Hein. Alors, c'est une de ces nouvelles consoles de jeu. Attends, quoi? Mais non, attends. Ah, c'est pas à lui que je dois parler. Attends, mais c'est à qui que je dois parler? Non, c'est Simus. Ah oui, c'est Simus. Pourquoi je lui parle à lui? Simus, il est par là. Si je dis pas de conneries. Je sais plus où il est. Bah, lui, j'ai jamais parlé. Donc, c'est aujourd'hui et le lendemain d'hier de. Demain sera le hier d'aujourd'hui. Pas vrai. Le temps était en vous, là. Non, je l'ai pas, Terton. On ne vieillit pas comme nos ancêtres, les mous. On est enfermés ici pour toujours. Ça a l'air triste, quand même. Trop profond pour nous. Putain, il est où Simus? Il me semble qu'il est par là, il est dans cette zone.